Bienvenue dans la chaîne Innovation Numérique, Jean qui m'a promis moi. Et ça, c'est le premier projet que nous allons développer. C'est un site que nous allons développer ensemble. Et dans la vidéo, je vais montrer un aperçu de ce site-là, comment nous allons présenter. Par contre, c'est une playlist qui va avoir environ 11 vidéos. Et dans 11 vidéos, nous allons enseigner étape par étape comment pour développer ce site. Nous allons regarder dans le site pour nous. Ça, c'est le premier site que nous allons développer en Kababoué. Le but est enseigner, amener les gens à apprendre. C'est un site très simple. Mais, il y a un pile de choses à apprendre qui peut aller développer l'autre site par rapport avec tout ça que je vais enseigner pendant que je vais développer ce site. Ça. Okay? Nous avons là, nous avons quelques designs mettre là, logo, réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, à propos de nous. Ok? 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 Nous avons l'apprentissage ne fait pas hasard, il doit être recherché avec ardeur et soigné avec diligence. Ibenson Gustave. Ok, nous capables, ça c'est quelques bagages que je mette dans ce site là, juste pour nous aider à nous entraîner quelques designs. Nous capables, ça, chaque grain de bagage nous dans ce site là, nous allons bien maîtriser pour nous utiliser dans l'autre site qui va être plus compliqué. Ok, le site ça me développe seulement avec HTML et CSS. Ok, on descend dans le footer, ça c'est une partie, ça c'est. Yon formulaire pour capable écrire inscrit, OK, ça c'est footer, ça c'est et pied site nous on capable quelques informations très simple, ça c'est menu site nous on va appliquer là formulaire, OK, qu'on y a un garde site nous si c'est un site qui est responsive, ça veut dire un site qui est responsive. Par exemple, un site mon programme seulement pour ouvrir dans computer ou bien yon laptop, m'doué programmer le tout, l'on m'ouvre le téléphone pour le pas déformer. Par exemple, m'va fermer ça, m'va m'va après fermer, considérer ça si yon téléphone. M'va après qu'on y a, comment site nous apparaît, ça veut dire si yon site qui est responsive. Depuis site là, le responsive, c'est-à-dire n'importe appareil qui a accès pour connecter à Internet, moun nan connecté sous site nous. Si apparence site la pas de dévier, li doit gagner apparence qui normal et qui a une bonne vision avec moun qui a navigué dans site là. OK, nous avons qu'on a commencé nous arrêter. Li changer format mais le bail un format qui adéquat ou bien qui adapte qui réellement est adapté avec dispositif ou bien et appareil électronique qu'on a utilisé dans moment. OK? En bref, ça c'est site ça nous allons développer ensemble. Dans une playlist qui a bien 11 vidéos. Ça, moi-même, m'a demandé de faire pour moi et m'a dit pour moi, monsieur. C'est pour la vidéo, nous, déjà, quittez un commentaire pour nous et puis partagez avec plus de monde. Ça a aidé nous aider plus jeunes qui réellement besoin d'une profession capable de commencer à apprendre technologie. Parce que de nos jours, pas besoin d'un diplôme pour travailler comme un développeur, pour travailler comme un analyste. Seulement besoin d'une connaissance. Et mais objectif, PAM, c'est d'où une connaissance nécessaire pour capable gagner un nouveau emploi comme développeur ou comme programmeur. OK, ça c'est premier projet nous. M'espérer ou remet projet ça, m'espérer va accompagner nous pendant tout parcours et nous a disponibilisé un groupe WhatsApp si toutefois gagne question ou capable poser nos questions. Et tout nous a disponibilisé code. Tout ça nous va le coder là, on a disponibilisé code là dans GitHub pour n'a quitté link là bas vidéo yo. Ou capable télécharger projet ça ou capable utiliser code ça pour faire projet pour vendre pour faire quelque soit bagarre. OK, non pas monsieur Ibenson Gustave, chaîne YouTube ça c'est innovation numérique, c'est une chaîne qui a réellement révolution cap et de faire révolution cerveau qui a peut de préparer pour capable entrer dans marché du travail là pour avoir un nouveau emploi grâce à technologie. OK, à la prochaine.